Une de tes poules qui est morte ou quoi? Sérieux? J'en vois qu'une. Oh non! Attends! Non mais des fois elles mettent 3 ans à se déplacer. Mais non! Elle est où ma poule? Mais vas-y, pourquoi j'ai qu'une poule? Mais putain, mais c'est de leur faute là! Ils font chier! Ça m'énerve. Bah, normalement une poule, c'est pas besoin d'être plusieurs pour se reproduire. Enfin, pour faire des poussières. Nani. Quoi? Non. Attends, bah, si t'as une poule, tu peux en avoir plusieurs. Une, ça suffit, non? Nani. Vas-y, explique le concept, là. Bah, une poule, ça prend des œufs, ça n'a pas besoin de coque. Ouais, et? Et les œufs, après, ça devient des poussins. Et les poussins, hop, ça devient des poules à nouveau. J'en reviens. Non, la poule, elle est trop vieille. Non, mais... Non. Bah quoi? Ah, je sais, mais moi, je sais plus quoi faire, moi. Je suis en dépression. J'ai des bouffées de chaleur. Ah, oh, j'ai fait de l'effet. Hein. J'ai tellement des envies de meurtre, mais d'une attends, puissance... Attends, j'ai Google. Non, non, stop. Il faut que tu développes ta... Hé, hey, stop, j'ai dit. Il faut que tu développes ta... Ta putain de matière grise qui ne sert à rien, là. Putain. Bah oui. Non, stop. Vraiment. Je te jure, tu vas réfléchir tout seul, là. Tu sais, on croirait les gros débiles, là, sur Doctissimo. Est-ce que mon enfant, il peut tomber enceinte si je suis enceinte? C'est quoi un œuf? C'est un truc qui sort du cul de la poule. C'est un ovule. Ouais. Avec une armure. Oui, c'est ça. Les œufs que tu manges là, est-ce qu'il y a des poussins dedans? Bah non, il y a du jaune. Putain. Il peut y avoir des poussins si on les couve. Des poules en batterie. Si tu couves les œufs là, tu vas avoir des poussins. Mais c'est quoi des poules en batterie? Des poules en batterie? Alors. Les poules en batterie, c'est des poules en cage et il y a que des poules dedans parce qu'il faut qu'elles pondent, parce que les coques ça pond pas, hein, d'accord? Ouais. Donc, si tu prends ces œufs-là et que tu les couves, ça fait des poussins. Oui. Oui? Ah. D'accord. Est-ce que tu le fais exprès? J'aimerais bien. Il faut une bonne hygiène de poulailler. Alors, Flash, t'as dit que c'était que les œufs c'était un ovule. Enfin, c'est le jaune l'ovule, hein. Chez les humains, comment ça marche la fécondation? Vas-y, explique-moi. Ben l'homme il sort sur cause qui quête. Mm-hmm. Ensuite. Enfin, ça dépend s'il y a 2 ans. t'as vu l'éducation que je dois lui faire? Oui. Et il doit faire des trucs avec madame. C'est-à-dire? Il doit envoyer la béchamel sur le jaune d'œuf. Non, oui, voilà, on y vient, hein. Donc. Même si ça doit être dégueulasse, la béchamel avec du jaune d'œuf. Oui. Même. Bah non. Ah bon, ça s'appelle comment déjà? Je sais pas. Non, mais je te jure, presque tous les jours il me fait des coups comme ça. Tout le temps je dois faire la prof. Mais les poules elles ont pas de sperme. Ah bon? Je vais m'endormir moins quand je pense. Ah, c'est... Non, mais... Je savais pas, dis donc. Comment ça se fait? Quoi? Parce qu'il faut bien du sperme pour féconder l'ovule. Ah! Ah! Ah bah... Ah bah oui! Bah merde, alors. Bah merde, comment... Ok, mais... Donc explique-moi... C'est-à-dire que les poules, ils sont trans. Ça, c'est toi qui l'as dit, Flash. Ah ouais? Oui, bah oui. Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? T'as dit qu'il y a besoin que d'une poule pour avoir des poussins, on est d'accord? Ouais. Alors tu m'expliques comment elle fait la poule? Parce que moi je vois pas. Hein. Non, j'ai beau réfléchir, je vois pas comment elle fait. Eh ben elle demande du sperme à sa copine. À sa copine? C'est qui sa copine? Une poule.
Ah, parce que les poules, c'est des mâles. D'accord. Oui. Mais comment deux poules se reproduisent? Tiens, une question. Est-ce que tu le sais? Et ben en fait, les deux poules, elles se reproduisent pas. Donc ouais. Voilà. Tu as bien joué. C'était ça. Et ben alors, ils ont dit des conneries un jour à la télé. Ah oui, non mais ça c'est pas nouveau. Ou alors, comme tu le fais toujours, tu déformes tout et du coup t'as très mal compris le truc. Ah, c'est peut-être ça, hein. On sait pas, hein. Bah, ils ont dit à la télé, je sais plus si c'était dans Attention à la marque. Ils ont dit à la télé, Ils ont dit combien de quoi qu'il faut pour une poule pour qu'elle pond un œuf. Zéro. Putain, tu m'exaspères, je te jure. Ah, je viens de comprendre. Oh, vas-y, explique. Je vais péter un câble. C'est-à-dire que les poules qui sont élevées en batterie, eh ben y a pas de coque, du coup il peut pas y avoir de poussin. Mais bravo! Mais t'es trop fort! Mais comment t'as trouvé ça? Je sais pas, j'ai réfléchi un peu. Oh putain. Mais c'est bizarre. Donc... Non, parce qu'il y a vraiment une vidéo où il y a des mecs qui réussissent à avoir des poussins. Et? Bah, je sais pas, il devait y avoir un coq dans le lot. Ah bah oui! Peut-être, éventuellement, hein. On sait pas, parce que... Parce que c'est vrai que les spermatozoïdes, ça tombe du ciel, hein. Ah ouais? Putain. Donc... imaginons. On va reposer les questions pour voir si t'as vraiment compris, hein, parce que quand même... On sait jamais avec toi. Si j'ai deux poules qui pondent des œufs, si je couvre les œufs, est-ce que ça fait des poussins? Hein? Non. Ah, ben voilà, on est bien. Ah, ça dépend, tu les couvres pendant combien de temps? 21 jours. Ah non, t'en auras pas. Ah bon? Pourquoi? Parce que ton gros cul les aura écrasés. T'es con. Ça par contre, pour faire des blagues de merde, il a de la ressource, hein, y a pas de problème. En fait, toi, il te faudrait un œuf d'autruche. Putain.